Bonjour à tous, c'est Leaderwolf et cette semaine on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo achat de jeux vidéo. Maintenant que je suis de retour de vacances, j'ai décidé de reprendre un certain rythme de vidéo. Vous savez, les vidéos achat de jeux vidéo, j'avais dit j'en ferais une toutes les 2 semaines. Bon, là exceptionnellement, jusqu'à la fin des vacances, donc fin août, on va reprendre le rythme une vidéo toutes les semaines. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup d'achats et comme j'aime bien présenter mes jeux avant de les ranger dans ma collection. Là, il s'accumule et j'en ai beaucoup trop. Et de toute façon, même si je reprenais le rythme une vidéo toutes les 2 semaines, je tiendrai jusqu'à fin septembre. Et je pense que je vais racheter des jeux avant fin septembre. Du coup, voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour vous puisque le rythme normal va revenir, c'est-à-dire une vidéo tous les dimanches, achat de jeux vidéo. Voilà. Donc là, j'ai fait un vide-grenier avant de partir en vacances. Donc c'était début juillet, du coup. Et j'avais fait de très très bonnes trouvailles et j'avais vraiment hâte de vous les montrer. Donc comme à mon habitude, voilà, je vais réussir à le dire, comme on a mon habitude, je vais raconter vraiment plein de détails sur le vide-grenier, hein, puisque ce que j'aime beaucoup c'est dans les vide-greniers, c'est vraiment les souvenirs qu'ils m'apportent. Quand on prend un jeu qu'on a acheté dans un vide-grenier, on se dit « Ah oui, je me rappelle, c'était dans telle circonstance, etc. etc. » Et voilà, en plus, il y a plein de trucs drôles à vous dire, etc. Bon, alors voilà, on va commencer tout de suite. Alors, je m'étais levé super tôt. Je m'étais levé genre 6h30. Je me suis dit, il faut que j'y aille. J'y suis allé tout seul à pied en plus. C'était pas très loin non plus, mais bon. Et je me suis dit, il faut vraiment que je trouve le truc. Il faut être le premier sur les lieux, tout ça. Donc j'y vais. Ils étaient en train de déballer. Il y avait peu de monde. Et je fais un tour et je trouve rien. Rien à part. Il y avait une PS2 avec des jeux, mais je les avais déjà tous. C'est pas intéressant. Quoiqu'il y avait un Gran Turismo 4 que je n'ai pas. Il était à 2 euros, mais je me suis dit, non, je vais pas prendre celui-là. Je le trouverai à 1 euro, un de ces 4, mais pas aujourd'hui. J'aurais peut-être dû, je sais pas. Je continue mon tour, des jeux PS3 10 euros. Je fais bon, ouais, c'est bon, il n'y a rien du tout. Mais je me dis, je suis là super tôt, il y en a qui n'ont pas encore déballé, je vais refaire un tour. Deuxième tour, je ne trouve rien. Et là, je me dis, je vais faire un troisième tour. Je m'arrête devant un stand et je me dis, il faut que je fouille. Il faut que je regarde sous les affaires, tout ça, sinon je ne trouverai jamais. Et là, je trouve des jeux, quoi. J'étais vraiment super content. C'est des jeux Xbox 360. Bon, alors j'en ai déjà pas mal. Des jeux Xbox 360, j'en ai presque 120, 120 avec ceux-là, mais il m'en manque certains dans cette petite collection. Et du coup, voilà, il y avait 4 jeux et la bonne femme savait même pas qu'elle avait des jeux en fait. C'est assez drôle. Et du coup, je lui ai demandé combien elle faisait, elle me dit 1 euro le jeu. Moi, j'étais super content. J'ai pu négocier les 4 pour 3 euros. Voilà, du coup, c'est une très bonne affaire. Alors, le premier jeu, c'est Crash of the Titan. Donc voilà, jeu avec Crash tout simplement. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les Crash sur PS1 et il y en a un sur PS2 aussi qui était vraiment très très bon. PS2 et GameCube et Xbox, je crois qu'il est sorti sur les trois. Et voilà, donc dans celui-là, eh ben, on monte à dos de Titan, etc. Et puis c'est cool, et puis c'est cool de voir Crash dans l'un de ses derniers jeux tout simplement. Je crois pas qu'il y en ait eu après des jeux Crash. C'est fait par Sierra, donc ceux qui ont fait les Fear, si je me trompe pas. Non, je pense que je ne me trompe pas. En tout cas, voilà, donc je suis très content d'avoir ce jeu Crash. On a Colin McRae Dirt. Voilà, donc un jeu de bagnole, de rallye, tout ça. Comme on les aime, tout simplement. Voilà, donc il doit être vraiment sympa à jouer avec un volant, tout ça. C'est fait par Codemasters. Donc voilà, donc je sais qu'ils avaient. C'est un studio qui est très très vieux. Ils avaient fait des jeux sur Mega Drive, si je ne me trompe pas. Et là, faut que je parle plus fort, sinon vous allez pas m'entendre. Donc voilà, un petit jeu de bagnole, ça fait plaisir. Un petit jeu à la con, Les Rebelles de la Forêt, voilà, donc adapté du film qui est plutôt drôle, voilà. Graphiquement, il a l'air extrêmement moche, ça a l'air d'être un petit jeu à la con, tout simplement, mais je sais pas pourquoi, j'aime bien ces jeux-là. J'avais bien aimé, c'est le Kung Fu Panda sur Xbox 360, c'est un petit jeu tout pourri. Mais voilà, j'avais passé un bon moment, puis voilà. Et en général, ces jeux, ils se finissent rapidement, donc quand on a... Moi, je sais que... Maintenant que je fais des vidéos pour un site, j'ai beaucoup de moins de temps à moi, évidemment, ça demande un certain investissement. Et je me dis, bah, j'aimerais bien finir un jeu juste avant de commencer mon truc. Ben, je lance un petit jeu comme ça, histoire de le finir en quelques heures, et puis après, bah, je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Et enfin, dernier jeu, une exclusivité qui est. Je sais pas si c'est sorti en même temps. Non, je crois pas que ça soit sorti à la même date que la sortie de la 360, mais c'est un des premiers jeux de la 360, et c'est une exclusivité de Rare. Donc signé Rare, le studio qui est à l'origine de pas mal de jeux GameCube et aussi 64 de très bonne qualité.
Faut savoir que Microsoft a racheté le studio et qu'il les avait placés sur pas mal de projets Kinect. C'est un petit peu dommage, mais bon. C'est Cameo Elements of Power, voilà. Donc on contrôle des titans, tout ça. Du coup, ça me fait un petit peu penser à Crash of the Titan, pour le coup. Mais voilà, du coup, une bonne exclusivité que je cherchais depuis le temps. Je me rappelle à une époque, je l'avais en version classique, vous savez, la version toute grise, attendez, comme ça. Voilà. Et c'était pas beau, et du coup, je m'en étais débarrassé. D'ailleurs, j'aimerais bien trouver le Assassin's Creed sur 360 en normal. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir chopé cette exclusivité, et puis je me la ferai très bientôt. Voilà, alors je vais poser ça là. Ensuite, du coup, bah, j'étais toujours dans l'espoir de trouver encore plus de jeux. Et j'ai continué à tourner. Et puis je m'arrête à nouveau devant un stand et je me dis, il faut que je fouille. Et je fouille, je tombe sur un jeu. Je me dis, il faut vraiment fouiller les gens. Parce que il y a des. Dans un vide-grenier, les personnes qui vendent pensent pas finalement que leur produit phare, c'est les jeux vidéo. Ils les mettent pas forcément en avant. Donc il faut fouiller. Et du coup, bah, c'est un petit jeu à la con, un Nintendo GameCube. Mais bon, un petit FIFA. Football 2005, je l'ai trouvé à 50 centimes. Enfin, je l'ai montré à la personne, il m'a dit, oh, je savais même pas qu'on avait ça, on vend ça combien? Puis il fait 1 euro. Je fais, oui, mais non, parce que dans les caches, on peut trouver les jeux FIFA à 50 centimes. Du coup, il me l'a fait à 50 centimes. Voilà. Je l'ai pris parce que j'aimerais bien compléter ma collection GameCube, mais aussi parce que j'avais pas de jeu, je crois, sur ma GameCube de jeux de foot. Je suis pas spécialement fan, mais c'est bien d'avoir un petit peu de tout sur sa console préférée, hein. En tout cas, moi c'est la GameCube. Voilà, donc un petit jeu de foot tout simplement, que dire de plus. Et on arrive déjà au dernier achat. Déjà. Déjà, mais voilà. C'est l'achat. C'est l'achat du jour. Donc j'allais commencer à partir. Voilà, et donc je m'avance vers les. Vous savez, les deux stands qui sont toujours au bout et qu'on regarde qu'une seule fois. Et je me dis, bon, je vais regarder en partant ce qu'ils vendent. Je m'approche d'un stand. Et puis je vois un truc gris. Puis je me dis, ça me fait tic dans ma tête. Je me lève et là je vois une Super NES. Alors là j'étais content, il y a des jeux avec, je vais vous montrer lesquels. Mais voilà, donc Super NES, bon elle est un petit peu jaunie juste devant. Elle a des stickers un petit peu partout. Mais en tout cas elle est en meilleur état que la Super NES que j'avais avant. C'est-à-dire qu'elle était toute jaunie. Parce que comme j'ai pris celle-là, je me suis débarrassé de mon ancienne, je l'ai donnée, voilà, etc. Voilà, du coup d'ailleurs je tiens à faire une petite parenthèse. Donc j'ai un abonné qui m'avait envoyé un message comme quoi il voulait savoir si j'avais des jeux à échanger, tout ça, tout ça. Bon, c'est très gentil à lui de me proposer des échanges, tout ça, mais le problème c'est que moi en général, lorsque j'achète en vide-grenier, j'achète jamais en double. Et là, exceptionnellement, quand j'achète en double, c'est soit pour des amis. Voilà, donc. Je vends à certains amis, etc., etc. Ou soit je fais des échanges avec des gens que je connais déjà. Du coup, ouais, si un jour j'ai des échanges, je vous le dirai en vidéo et vous viendrez me voir en MP Facebook tout simplement. Mais voilà, je fais rarement des échanges. En tout cas, voilà, du coup, Super NES. Alors, vous avez demandé quels sont les jeux qui étaient accompagnés de cette console. Ça, c'est pour après. Alors, il y avait. Je vous dirai le prix après, évidemment, c'est plus marrant. Il y avait les Street Fighter 2. Ça c'est bon ça, ça c'est bon ça. J'avais pas le Street Fighter 2 et je suis content. Parce que à l'époque j'étais dans un magasin de jeux rétro et puis je me dis soit je me prends le Street Fighter 2, soit je me prends le Street Fighter 2 Turbo. Je me dis ah, je vais prendre le Turbo. Et du coup j'ai bien fait puisque maintenant je peux avoir les deux. Voilà, j'aurais pris le Street Fighter 2, bah, j'aurais eu deux Street Fighter 2 sur le dos, quoi. Du coup voilà, je suis content. Un petit jeu de foot. Voilà, World Cup USA 94. J'en avais pas forcément de jeu de sport sur ma Super NES. Et enfin le Super Mario Kart. Voilà, mais que je possédais déjà. Du coup, je l'ai changé avec une connaissance, etc. Voilà. Vous allez voir avec quoi j'ai changé après. Et du coup, ce magnifique lot avec deux manettes officielles plus les câbles. Je suis content parce que j'avais pas de manette officielle à part une, vous savez, turbo. Je lui demande, il me fait 10 euros. Alors moi, je commence à faire l'air hésitant, vous savez. Parce que moi, bon, 10 euros, c'est un très bon prix. Mais quand on peut aller encore plus loin, je fais. Du coup, j'étais là, je me dis, je sais pas vraiment, est-ce qu'elle marche, tout ça. Et tout d'un coup, il me dit, bah, je voulais la faire à 5 alors. Bah, généralement, c'est ceux qui achètent qui négocient. Enfin bon, j'ai pas trop compris, puis j'ai fait, d'accord. J'ai ouvert mon sac, il me l'a mis dans mon sac et j'ai donné 5 euros. Et voilà, et du coup, moi, ça me fait une Super NES qui marche extrêmement bien. On met la cartouche, on n'a même pas besoin de souffler, ça se lance.
Street Fighter 2, qui est vraiment un excellent jeu, Super Mario Kart, etc. Et étant donné que j'avais le Super Mario Kart, j'ai fait un échange, voilà. Et j'ai eu le Killer Instinct. Voilà. J'ai dit que je l'ai en double parce que celui-là, c'est mon premier exemplaire. Hein, vous dites pas, mais attends, il dit qu'il l'a en double et puis il nous le montre. Voilà, j'ai fait une petite magouille pour que ça, la vidéo soit moins compliquée. Et du coup, voilà le Killer Instinct, donc un très très bon jeu de combat. D'ailleurs, le dernier est sorti sur la Xbox One. La Xbox One, il est de très très grande qualité. Voilà. Du coup, ça fait un joli lot aujourd'hui. J'ai enlevé le Mario Kart pour refaire un récapitulatif. Du coup, la Super NES avec les trois jeux. Et les 4 jeux 360 avec le jeu GameCube. Et en tout, je me suis pas ruiné. Parce que ça fait 3, 3,50, 8,50 € le lot. Voilà, donc 8,50 € 8 jeux, plus une console. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain du tout. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait des vides greniers, vous avez fait des super trouvailles comme j'ai fait aujourd'hui. En tout cas, vraiment pour la Super NES, en tout cas, c'est pour moi la trouvaille, une des trouvailles de l'année, même si j'en ai fait beaucoup d'autres. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis prenez soin de vous, tout simplement. C'était Leader Wolf. Bye tout le monde!